Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour ces 15 ans de la pépinière de Tertuis. Donc l'événement va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons un bilan après 15 ans d'existence, un accompagnement de plus de 50 entreprises, plus de 200 emplois créés et surtout un taux de survie de ces entreprises de plus de 80% sur notre territoire. Ça aide en tout cas des entreprises à aller de l'avant. Et la première d'entre elles qui va nous raconter son histoire, eh bien, c'est QMT, représentée par Christian de Cantonsens. Je pense tous pour leur intervention et puis pour leur histoire aussi. Voilà, je crois qu'il est à présent temps d'accueillir Marc Pattinson, directeur général INNO TSD. Je pense qu'avec ces 5 témoignages qu'on vient de voir, c'est cette mixité permet d'attirer des entreprises qui créent des emplois pérennes et qui permettent de rester sur le territoire durablement. Je ne peux pas oublier dans ce petit remerciement des réseaux de parler de la CPA, à la fois leurs élus, Anime Amourouche qui était là, mais elle est là, qui est présent sur place, qui accompagne le travail de rayonnement, le travail d'animation, c'est très important. Donc on vous remercie pour ce travail. Quand on vient à un anniversaire, il faut toujours apporter un cadeau. Donc, j'ai les poches vides, mais... Je vous annonce que début juin, nous allons lancer le premier concours de la création d'entreprise sur le territoire de la CPA. Donc, soyez vigilants, regardez les sites web habituels de la pépinière ici, mais surtout celle de la CPA et de Mereuil. Quelques petits mots pour finaliser. Bon anniversaire à tout le monde ici, surtout ceux qui ont accompagné depuis le début, parce que c'est leur fête. Et puis, vu la météo, je vous dis bon vent aussi. Il est à présent temps de recevoir et d'écouter Roger Pélinck. Donc d'abord, pour cet anniversaire, je me dois de remercier les fondateurs, c'est-à-dire André Borel, mon prédécesseur, avec son équipe municipale, Jean-Christophe Rodeau, qui en faisait partie à l'époque. Le maire que je suis et le vice-président, je ne le suis que depuis 3 ans. Donc je ne peux pas, si vous voulez... au niveau des mérites de cette pépinière, il est bien évident que tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait mien, si vous voulez, cette idée, cette réalisation, pour l'intégrer encore plus dans la stratégie de développement économique de la communauté du Pays d'Aix. Parce que vous savez que le projet de la Vallée des Énergies et de la Cité des Énergies est en train de prendre corps. Donc, tous les ingrédients sont rassemblés, je dirais, la motivation des pouvoirs publics, le site, le potentiel existant avec ITER, le CEA, notre soleil. Donc, merci à tous les entrepreneurs ici présents et à ceux qui demain reviendront aussi à l'entreprise. Viendra la pépinière. Et donc, pour ce 15e anniversaire, si vous voulez, je suis heureux aujourd'hui de dire longue vie à cette pépinière et qu'elle soit le ferment de notre économie de demain pour nos enfants.